On ressort d'ici avec vraiment un sentiment de satisfaction, avec ce rapport sous la main qui servira aussi de boussole quelque part pour, dans nos prises de décision. Nous avons, comme l'a mentionné à la fois le ministre du Budget, mais aussi le ministre de l'Économie et des Finances, le gouverneur de la Banque centrale et moi-même, nous avons certes présenté un projet de loi de finances qui avait été préparé bien avant la tragédie de l'explosion du dépôt de carburant qui aura un impact considérable sur la mobilisation. Mais qu'à cela ne tienne, nous mettrons toutes les synergies en action pour nous permettre de limiter. Bien que cela impacte quand même cette mobilisation de ressources, mais nous pourrons quand même garantir le minimum pour fonctionner et avoir nos projets de développement.